Assalamu alaikum mbokk sunu la wachi ñu leen nuyu di leen ziar di leen wax rek ñu ngi fi ci foire bi fi nga xamantene la fi le salon bi nga xamantene la moy 4e édition bu Saladam bi di amé ñu nekk fi ak ki nga xamantene la moy Selili taxaw ak le grand champion muy Tokyo mom mi jël 2e ci mal adulte Selili ñu leen nuyu wa ma lay nuyu grand bay vraiment di nuyu wa Sen TV ak tous les téléspectateurs ñi sétane Seli, bi nga déggé Tokyo yegg na ci podium bi lan nga yegg waaw vraiment sentiment de fierté hein wax deug yalla té tamit pour dire la vérité bétuma won hein parce que quand même wax deug yalla bétuma won ah oui waaw non bétuma won parce que tamit xam nga nanan mom soko indi ci foire dang koy natt ba paré bla muy ñew donc xamona li mo am wax deug yalla avant waaw motax bi mu koy indi tamit wax deug yalla xamona na mom dina yegg ci podium bi waaw mais li la doon jaaxal mo doon ban rang lay jël Bon rang la jël man sax premier la xlatona wax deug yalla en tout honnêteté hein parce que à 26 mois maturation yi mo am wax deug yalla dafa jégg dayo quoi très honnêtement donc bi muy ñew wax deug yalla ino na poids sax presque 160 kg tagon na mais xam nga foar ak les aléas xari di solo rek yoy day jouer ci xar bi quoi mais très honnêtement mom performance yi mu def à 26 mois ñu ngi rafetlu bu baax 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 waaw waaw mais est-ce que yow performance yi mu def tay boko no expliquer tay fan la koy jëlé waaw mu ngi koy jëlé surtout ci yaay jiyan ak papa jiyan surtout mais surtout ci yaay aussi quoi parce que yaayam moy kaya ak ñepp xam nañu kaya kaya vraiment c'est une femelle hors pair génétrice meilleure génétrice au Sénégal pour dire la vérité hein parce que don yi mu jur yef machallah ils sont exceptionnels bon ma croisé won kaya ak Shifa Shifa tamit nek mal bu exceptionnel def ay jalonam ci élevage bi nek mal bu am maturation motax mu juddu biñu juddoo donc amuñu ci won ki quoi donc biñu juddoo wax deug yalla xamoon nañu xal bi fu muy jëm quoi té wax deug yalla tamit xam naan encore paragol donc vraiment dessé nako quoi donc on peut dire que suite logique là parce que tay so amé bay mu nek champion nga am nday mu nek champion donc tay bo nek champion warul bet ken non la warul bet ken c'est une suite logique wax deug yalla parce que quand même kaya do mu jur yep so xolé machallah pratiquement ñi yegg podium donc ki amuna ay magam yu yegg podium yu jigen moy layla yegg na podium mom yegg na podium bon je pense aussi rakam dañ top ci yoon bobu inshallah finalement Selli c'est un habitué des podiums Selli tay podium bu nek rek depuis 2 ans ou 3 ans gis nañ ni Selli da ci nek waxuma sa nek ci mais ci bobu lay taxaw Selli la moy ce secret waaw liguey la rek hein xam nga lu ñoo seul le travail pay rek affaire mom liguey la xari bu baax mom soko yore ngi ci liguey té aussi tamit soy jaay tamit da ngay jëna da ngay réinvestir comme tu dis parce tamit do jaar rek tok nonu donc vraiment damay continuer di liguey di fexé aussi pratiquement éviter ay consanguinité ak yoy di wut ay famille yo xamna bokk lañ suñu mali dara sama mali dara pour am yenn résultat yi quoi mais la question bi nek sur toutes les lèvres bi ñu gissé Selli ñew ci foire bi mo doon Ana Shifa mais bonne raison motax Shifa ñew Bah, Shifa, en fait, je parce que comme je dis, Shifa il a été vice-champion FILA 2021, nous sommes champion Saladel 2022, nous sommes vice-champion CEP 2022. Donc, en une année presque, il a eu remporté 3 trophées. Donc, c'est un bataille aussi, donc, pour moi, ce n'est pas la peine de jouer avec Domom. Donc, Dom, il a eu le bon de faire Mais, Selli, tay buñu né Saladam tay mom moy foire bi gëna kawé ci Sénégal en fait en termes de ladum mais tay Shifa gagné won tay foire bobu tay est-ce que du won yok gëna yok palmarèsam waaw du waron na gëna yok palmarèsam mais pour mu gagné won domam bi ce serait pas évident du tout parce que comme je dis ko xam Selli day liggéey Selli mom compétiteur la xari dama la naté bala may ñëw donc bima la naté déjà xamuna dom ji tay ji su ñëw tamit dom ji mo koy mëna ah d'accord kon yow japp nga né Shifa bu ñëwon tay dom ji tay daf koy pousse dina ko sonal de wax deug yalla ni mu sonalé daanan yifi nek non la len sonalé mais pourquoi mais lolou ndam la je pense parce que tay nga indi bay indi dom tay ñom ñaar ñu taxaw tay ñu ñew taxaw dom ju pousse bay bi mais je pense que lolou aussi tamit sac la dal wa mais xam nga tamit il faut d'être conserver la supremacie de Shifa tay ji jalor yi mu def tamit je pense que tay ji tamit il faut le conserver lolou c'est important xam nga lolou aussi buñ waruñu ko faté wa ñew rek tay ji aussi wa lolou mom c'est important def na ligéyam parce que ñun élevage c'est l'amélioration de la race suñu ñëw ba nga xamné yoonu lo xamné mën nako tamit je pense da ngay baye lolou mu dem ki tamit sunu am xamna jounou lo xamne mën nako tamit ce sera aussi la suite continue quoi té dafa am benen affaire bi ci am parce que Shifa en fait li nekkon force c'est l'équilibre tay gis nañ ni Shifa ci fep
Chifa dafa taxaw tay aussi tam ñu gis ko lool aussi tam ci dom bi est ce que mën nañ né lool marque fabrique la waaw marque fabrique lay doon finalement en tout parce que so xolé tay ci dom sa mo gëna équilibré so xol ba xol équilibre bi amone Chifa tay ji parce que tam faut départ oublier que ki à 26 mois les de ses performances imaginez vous tay ji mu dem ci d'ici 10 mois à 36 mois je pense il aura des performances dina des performances yep performance yi papam defone donc tay ci sante yalla rek donc tay ji aussi on va continuer à travers cette lancée mais effectivement parce que tay soko xolé à 26 mois tay presse ni mu don jongal lepp tay mo len gëna nek xalé tay aussi tam il a la chance tay bu ko fi yalla baye yalla nako fi yalla baye wéral ay ciërem amin tay yanna mal yi nga xam dañ amuñu possibilité ñew deux salaire xam nga tay parce que à son âge tay mën nañ japp né mo war na mëna am performance bobu tamit non effectivement comme tu l'as dit rek wax deug yalla li di ñew sa inshallah moy dakh ñu ñaan yalla rek yalla may ko wër ak guddu fan mom ak rakam yi je pense que rakam yi aussi ñu top ci tankam tay su ñu gisé lam toro aussi wax deug yalla il est très prometteur momit bu mi judde ba legi machallah sincèrement élevé bëgg nañ ko sopp nañ ko té lam toro aussi amana benen rak bu ñu wax jallawali donc kaya ak jall kaya ak atomique donc ñom ñoo jur jallawali fokk tamit xamna ñu ngi ñaan yalla aussi mu top ci tank magam inshallah rabbi finalement c'est li yo def mais da ngay anticiper parce que tay su gaay nekké fi di la xol yow fekk da yaangi fenen wa xam nga lepp lu ñu wax gouverneur se prévoir man je suis pratiquement un manager donc je dirige une société donc ce que on appelle xam nga lepp lo gis ak stratégie la donc dafa am moyen court terme moyen terme ak long terme donc élevage aussi wax deug yalla dafa dem ba fi mu nak ni dafa toll ci phase bobu soy liggéey do liggéey pour at bi rek da ngay xol li di ñew donc pratiquement man tout temps sama liggéey non lay démé donc motax yalla aussi daf na ci barké parce que tamit nit da ngay sabol rek mais suñu borom moy ki tamit yalla daf na ci barké waaw wax deug yalla ngacc galama kaya rek wax deug yalla tay yi sama élevage fu mu ko yobbu wax deug yalla sonena ma sha Allah tay kaya yobbu na sa élevage sori celi mais tay celi est-ce que bok nga ci ñi gëm né par exemple pour am élevage bu deugar pour am socle bu deugar il faut que nga am de très bonne femelle ah non man lol fof la commencé hein bima commencé en 2013 bima gënné sama xarit j'ai acheté les deux meilleures femelles à Rufuscan en 2013 xaliss bu bari donc élevage base femelle la wa élevage mom socle base femelle la ba paré après mal dogo ñew wa mais légui yow si c'est prévision fan nga jëm non xam nga tayji mom damay dem ba le maximum rek xari xamuñu ba yeen masulance ñu mëna am suma gëné lu damay dem ba le maximum chaque fois damay essayer d'améliorer li ma yor waaw mënuma la wax fi la jëm dé tant que xari amna possibilité pratiquement yok masulation xari dama koy def tout en préservant l'équilibre bien sûr l'équilibre mom moy c'est ce qui est statique mo fi nek c'est parole d'un champion ma sha Allah bay content mais dafa am tamit benen affaire bo xamné né tay dañu gis benen mal prometteur bu nek ci wetu ki nga xamantene la mom moy Tokyo muy lam toro déjà mom ci sous public bi la parce que depuis qu'il est né mom fumu dem gars dañ koy laccé donc tay lam toro mom tamit commencé top tank yoy donc mom gis nañ ko nimu ci agem tay mën nañ né mom ak ay moromam machallah tay vraiment amna lu mu wara mëna woné effectivement lam toro comme tu dis hein bon bi mako ñëké gëné c'était salaire 2022 il avait 1 mois vraiment c'est le chouchou du public wax deug yalla tous les éleveurs de passion ñu ci bari amna ñu bari ño xamné en fait lam toro ño tax ñu dugg ci ladum parce que wax deug yalla so xalé melokanam ni mu mel machallah il est très beau té wax deug yalla aussi il a un avenir devant lui machallah diko ñaané yalla tamit yalla may ko wër ak bu kër ak guddu fan rek je pense que quand même mom ak mag yi dinañ révolutionner l'élevage du Sénégal ak sant rak bi ma tuddu légui may jaar wali dom ci kayak atomique ñu ñaan yalla yalla def ci barké inshallah rabbi wa di content rek di nuyu tous les téléspectateurs di féliciter aussi les sama xarit ñi nak les bureaux ki les membres de l'ADAM wax deug yalla salon mi ça a été vraiment une réussite totale donc di ñaan yalla rek ñu yalla fekkal ñu fekkat ko en 2025 ci yeneen anam ñu gaay ñëwaat ku nekk liggéey indi waat ici yeneen produit yu mucc ayib di lay remercier aussi yeen vous êtes vraiment des relais machallah à travers vous gaay ñu ngi xol pratiquement li xew ci ladum bi di content di remercier ñep sama mbokk éleveur yep waaw di nuyu ñep di féliciter ñep aussi finalement est-ce que tu as atteint tes objectifs yi nga fixé won en venant ici à la foire du Saladam effectivement vraiment je sais que Eko Yima ak tous les éleveurs ils nous ont félicité man ak Youssouf Benjamin Modern Diawara parce que au passage Youssouf Thiala mom Tokyo donc tay ji bi mu nekké xal la ko jox mais limay na chaque jour rek suñu waxé Benjamin Modern Diawara rek dañu wax Benjamin Seli fu ñu waxé Benjamin Seli dañu wax Benjamin Modern Diawara ñaari Benjamin ben la c'est mon cousin c'est mon frère c'est mon confident donc tay ji dal wax deug yalla on est très content ci suñu prestation bi ñi am fi tay ci Saladam Seli merci beaucoup Lin Bay content na trop jerejef machallah.